Hello, where are you? What? No, I don't understand. Yes, me. I am in the same place. You are not this. Okay, I go. You are in the road? Hey, you are in the road or no? Ne s'arrête pas, bien sûr qu'on continuera. De toute façon, chez moi, j'ai du monde à la maison, il faudra continuer à les aider, à les soutenir. Et c'est pas à moi faire une distinction entre noir et blanc, j'ai pas très belle, j'ai sans papier. C'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est paysan, mon métier, c'est donner à manger à des gens, et je le fais. Voilà. Une première fois, j'ai chargé à Vintimille des enfants, femmes et des hommes d'origine érythréenne. Et je voulais les monter chez moi et puis les aider, quoi. Et en fait, la police italienne et française m'ont vu les charger à Vintimille, ils m'ont suivi jusqu'au bas de chez moi. Et puis ils m'ont arrêté. Héros au grand cœur pour les uns, irresponsable pour les autres. Cédric Héroux est la figure médiatique de ce mouvement. Monsieur Héroux a tenu ce matin sur Europe 1 des propos ignobles. Un symbole de l'aide aux migrants en France. Il encourt 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc là, le procureur de la République a justifié que mes actes étaient des actes humanitaires et que c'était important de le faire. Et donc j'ai continué à faire ça dans de meilleures conditions. Mes actions, en fait, ont été prises en charge par une association qui s'appelle Roya Citoyenne. Et il est arrivé un moment où j'avais beaucoup de gens chez moi, j'avais une 60aine de personnes. On a eu peur d'être débordés et on a ouvert un lieu qui appartient à la SNCF. Je me suis fait arrêter à cet endroit-là. Et là, on poursuit pour l'ouverture d'un lieu privé dans le but d'y créer une résidence, etc., un squat, quoi. Et le deuxième chef d'inculpation, c'est aide à l'entrée et au séjour de personnes en situation irrégulière. Ici, c'est plus la France, quoi. Les Érythréens qui sont venus ici, ils sont venus ici avec leur dictature. Les Soudanais qui sont venus ici, ils sont venus avec leur guerre. Mais en fait, c'est l'État français qui prend le relais de tout ça. J'ai trouvé 3 mineurs étaient là dans cette caravane, sûrement devant l'ordi. Les policiers sont arrivés, ils ont ouvert la caravane et ils ont attrapé. Pour eux, les migrants, c'est ça. Là, ça gêne, tu prends. Voilà, c'est ça. Un carton. Mais c'est des gens, quoi. C'est des gens avec des envies, avec un passé, avec la famille qui attend. C'est des gens qui sont amoureux d'une femme, d'un homme. C'est des gens qui aiment leurs enfants. C'est des enfants qui aiment leurs parents. Il y a des enfants qui pleurent leurs parents qui sont restés en Italie ou qui sont morts. C'est des gens avec des émotions, avec des envies, avec un envie d'avenir. C'est pas des putains de cartons, quoi. Et le problème, il est là. C'est que, en fait, on m'incrimine comme si j'avais fait la contrebande à l'époque où il y avait les frontières d'objets, en fait. Et sauf que c'est pas des objets. Et le procureur, il comprend même plus ça, quoi. C'est que pour lui, je suis un contrebandier, en fait. Pardon d'utiliser des termes d'économie.
il y a un stock de 1 million de migrants potentiels en Libye. Amenés là par des passeurs, il faut en gros payer 4 à 5 000 euros pour arriver d'un pays africain en Libye. Et après, il faut traverser la Méditerranée. Se retrouver à Lampedusa, petite île italienne, et après remonter la botte italienne pour arriver la plupart du temps ici, à la frontière avec la France à Menton. Le contrôle des frontières a amené le gouvernement français à mettre en place des forces de police importantes. Police aux frontières, gendarmerie mobile, mais aussi des militaires. Aujourd'hui, en Italie, ils sont 500 000 de migrants. Comme ils ne peuvent plus passer par la voie de chemin de fer, où le risque d'être interpellé est majeur, comme ils ne peuvent plus passer par l'autoroute, où le passage est aussi très difficile, ils remontent le long de la vallée de la Roya. Et puis, à certains endroits, ils essaient de passer la frontière. Sur Roya, moi, je suis née ici. En juin 2015, ils ont fermé les frontières sur Menton. Et comme on fait du spectacle, on rentre la nuit ou souvent très tard. Donc, on s'est retrouvés plusieurs fois confrontés à des réfugiés qui marchaient... Le long de la route. Et après, on les a vus au bord de notre route et même carrément dans les montagnes, en train de marcher sous des orages. On habite dans les montagnes. Il n'y a personne qui traîne au bord de la route et qui galère. Et puis c'est simple, hein, chez nous, ici c'est l'Italie, ici on est en France, ici c'est l'Italie, ici c'est l'Italie. Voilà. Donc quand on est un réfugié, qu'on passe par chez nous, on est piégé. My name is Goitom, I'm from Eritrea. In Eritrea, it's always war. After grade 8, you cannot finish your education. You go to getting from soldier. No university, no college. 7 years old, I will go to Sudan with my mother. My father died in the war of Ethiopia and Eritrea. I will go after Sudan. After 11 years, it has been also a big problem. The police of Sudan to catch the Ethiopian guys return to the country. After that, we'll get in the jail. No food. Some people died in the jail. No medicine. Or some children also died in the jail. 417 people. The chief is very small. The motto of the chief is stopping war at the sea. Everybody says, cry, to pray to the God. Always says, this time we're dead. But by the work of God, the big chief, the Italian, is coming. After that, inside, we'll say to go, thank you, God. Before 3 days, 40 person dead in the sea. I have my friends in the sea. Before 4 days, this. From Belgium, this is coming by foot. 4 times catching by police, returns, the 5th time. And coming by the road of the train. Almost 10 hours. He's very hungry. Sidik's friend is getting him the road of train. We see whole life, he's coming, save guys. La première fois qu'on a pris en charge quelqu'un, donc moi j'étais toute seule avec mon fils. Et il y a eu un gros orage vers 14h et ils marchaient au bord de la route. Et ils étaient trois et ils étaient vraiment très jeunes. Et il a fallu les aider de toute façon parce qu'ils marchaient sous l'eau, quoi. Et ils étaient hyper fatigués. C'était des Soudanais
du Darfour. Ils venaient à pied de Vintimille, ils avaient marché toute la nuit sur la voie ferrée. Mais en fait, ils marchaient vers Vintimille. Mais ils étaient perdus. Donc quand je leur ai demandé où ils allaient, ils m'ont dit « on va à Paris ». Et je leur ai dit « non, vous n'allez pas à Paris, vous allez à Vintimille ». Et ils se sont effondrés, ils m'ont dit « c'est pas possible, on vient de Vintimille ». Soprattutto in questi ultimi tempi lo sapete che non abbiamo purtroppo buone notizie perché il campo del Parco Roia è stato chiuso per i nuovi arrivi, quindi non possono entrare le persone migranti che stanno arrivando, avete visto che stanno dormendo alla stazione. Noi qui continuiamo il nostro impegno ad accogliere sempre le famiglie, le persone ammalate e i minori non accompagnati che non hanno accoglienza, non hanno diritto a nulla, quindi noi continuiamo. Facebook Sudan work, yes. Work for you, Allah. Facebook Sudan, yes. Work for you. Yes, okay. Merci. Good luck. Non, il disait que je t'ai connu au Soudan avec Facebook. Là, je monte maintenant, je vais récupérer les enfants à la Brace, à la gare de Brace. Ils m'attendent et je vais à la maison. Train station. Ah yes, in the road. You are in the road, or in the same place to before. I see you with the police. Je comprends rien. Tomorrow we make macaroni and pasta. You have a document to police to go to Italy? Donc là c'est les gamins qu'on a, c'était mercredi dernier. On les a trouvés, ils sont arrêtés par la police. 21h45, c'est la bonne heure, c'est la bonne date. Et son nom, de naissance 2002, donc mineur. Et c'est marqué arrivé par train. C'est des faux documents que fait la police pour reconduire légalement, sous couvert de faux papiers, les enfants en Italie. Parce que je viens de récupérer les gamins là, qui sont chopés, c'est qu'on était ensemble. Ils sont remontés et donc c'est bien stipulé à 21h45 au point de passage frontalier de gare SNCF Bray-sur-Roya, arrivé en train. C'est génial parce qu'on n'a jamais eu autant de trains à Bray-sur-Roya. On a même des trains qui arrivent à 21h45 en gare de Bray, c'est magnifique. Par contre, si tu as le temps, il faudrait faire un témoignage. Comme quoi tu étais là avec moi et moi je veux le faire aussi. لا مين
Mais il ne faut pas considérer qu'on peut leur laisser passer la frontière sans réagir, sans sanctionner. Ce n'est pas une bonne action à faire à leur égard. Et je ne dis pas ça par hypocrisie. Je peux imaginer que l'on puisse considérer que c'est hypocrite. Mais je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'on puisse laisser espérer à ces hommes que oui, ça y est, ils peuvent partir, ils peuvent prendre le risque de traverser la Méditerranée, de se noyer, de se faire piller par des passeurs, alors que, quand ils arriveront ici, ils seront refoulés. Et le vrai problème, c'est vrai, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que fait l'Italie avec ses 500 000 migrants ? Ça va ? Attends, il est avec moi là, justement. Bonjour. Ça va ? Ouais. Ça va avec vous ? Ouais. Combien tu en ramènes ? Quand ? Là, ils arrivent. Donc, Quand ça arrive ? Et les bus ? Les bus de quoi ? Bah pour ramener les mineurs. Ah là maintenant là ? Oui. Bah putain, ils sont malades. Est-ce que ton portable est sur répondeur ? Ça fait une heure que j'essaie. J'ai plus de téléphone, vous l'avez saisi mon portable. Ah bon ? Ah mais putain. Ouais, je te rappelle Mario. Ils en prennent combien là du coup ? 33 ils nous ont dit. Le problème c'est qu'il y en a plein qui sont barrés. Hein. Ah bah oui mais moi... Il y a l'ASE qui vient les prendre en charge. Avec deux bus, hein. Il faut trois bus maintenant. Ouais. Maintenant, là. Ouais, mais il faut appeler surtout tout le monde. Tous ceux qui ont les mineurs. Et ils partent à quelle heure ? Ils t'ont dit quoi ? Ils m'ont dit que c'est parti ce matin. Donc... Putain, c'est con, ça. Hein. Ouais. Ouais, bah dès qu'on peut, hein. Dès qu'on peut. Mais t'as réussi à appeler les autres, là ? Ah, cool. Mais on leur change de nom. On dit que lui, c'est lui, et puis voilà. On s'en fout, il se barre à Rivanne. Parce qu'il y en a plein qui sont partis du coup, ouais, c'est ça. Et il y en a plein qui sont arrivés. D'accord. Pas plein. Ça fait combien en tout ? Une quinzaine quoi, en fait. Ouais, une quinzaine. Là, ici, ils sont tous ou il y en a d'autres ? Je crois qu'il y en a encore. Ah, il y a Saorge qui arrive aussi. On fera le point. Est-ce qu'ils sont dans les listings de... Pas tous. Pas tous. Non, mais... Et le nom EFYEM. Okay. Ouais. Masculin. Everything is correct. Ok. Colmi, hein, ok. T'as mal, ok. En tout cas, nous, ça a changé complètement toute notre vie. Oui. Il y a eu avant les... Avant et après. Et ouais, c'est ça. Ouais. On en a marre de se substituer au pouvoir public. On en a marre de faire le travail de gens qui devraient le faire, d'accueillir et de prendre soin de personnes qui sont en détresse. Et puis toutes ces arrestations. Des gens qui sont partis depuis 2 ans, qui ont traversé la Libye, ils vont se faire arrêter 15 fois, mais 15 fois, ils recommenceront. Oui. Il y a des arrestations tout le temps, il y a des arrivées tout le temps. Oui. On est en hiver, il y a moins d'arrivées. Si au printemps, il y a encore autant d'arrivées que l'année dernière, on fait comment ? Ben oui, c'est on ça. Fait comment ? Bon,
le fait. On va jamais échapper. Ouais, ça va. Bah ça va, hein. C'est bon, c'est beau. Ah, la fameuse question d'état d'esprit. Bon, bah on continue, hein. On continue à avancer et on s'adaptera à la réponse du tribunal et de la justice. Pour savoir si on peut avoir confiance en la justice ou pas, hein, ça va être la grande question, hein, la grande réponse surtout. Tu feras appel quoi qu'il arrive. Bah si je suis relaxé, je ne peux pas faire appel. Hein. Ce sera le procureur qui fera appel, j'imagine. Ou alors à moins qu'il en ait marre. Cédric. Allez. Dans la vallée de la Roya, la 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 la. Bonjour. Alors. Mais tu l'entends dans la vallée de la Roya, la 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 la. Dans la vallée. J'ai cru entendre Cédric Héro. Comment ça va, Cédric? Pardon? Comment ça va? Moi ça va bien. Très bien. J'ai une maman, une mère française, elle est blanche et je vais à l'école. Ensuite, je suis ma formation, mais grâce à tout ce que Cédric fait pour les mineurs isolés et à l'habitat et citoyenneté, vous voyez, c'est pas un crime d'aider un mineur isolé. Mettez-vous une seconde à la place d'un mineur isolé ou votre enfant à la place d'un mineur isolé, une seconde qui est dehors. Sans nourriture, sans rien, sans couverture, dans la neige. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Malgré la pression médiatique et politique, la juge a rappelé le droit. La relax avait été demandée et obtenue pour une grande partie. On est des centaines, on est des milliers, et la justice, là où c'est le plus important, la justice est témoin des conditions déshumanisantes des gens qui sont sur le sol français. La politique ne doit pas manipuler des peuples par la stigmatisation d'une religion, d'une race, d'une couleur de peau, d'une provenance. Nous, concitoyens, levons-nous, prenons possession de la politique de terrain, la politique populaire, la politique concitoyenne. C'est juste moi, ce qui me dérange le plus en fait, c'est quand je me balade à Nice, les gens me reconnaissent, ou il y a ce côté un peu bravo et tout, vous êtes un héros, machin. C'est démesuré en fait. Il n'y a rien de compliqué à faire ça. Hein. C'est quand même impressionnant, mais depuis le début, hein. Ce pressentiment où c'est ma cause en fait, c'est la cause de ma vie en fait, où je suis là pour ça en fait. Thank you.